Nous sommes le 30 juin 1908 à 7h du matin, au centre de la Russie du tsar Nicolas II de la dynastie des Romanov. Plusieurs milliers de témoins oculaires attesteront avoir vu un objet d'une lueur bleutée aussi intense que celle du soleil traverser le ciel du sud-est au nord-ouest, ne laissant pas de traînée derrière lui. Le village le plus proche du point d'impact, Vanavara, sera le témoin de l'explosion gigantesque qui eut lieu. Une boule de feu gigantesque éclata dans les cieux et évolua en nuages en forme de champignons. Cette manifestation sera accompagnée d'une tempête assourdissante qui endommagera les toits des izbas et secouera le fleuve Angara de vagues, signe que nous pouvons interpréter de nos jours comme une onde de choc consécutive à une explosion d'échelle nucléaire. Il résultera de cet incident cosmique une tempête magnétique qui durera 5 heures. Et de plus, on percevra une luminosité du ciel nocturne exceptionnellement claire dans les pays de l'Ouest européen cette nuit. L'altitude de l'explosion a été estimée entre 5 et 7 km, localisée à 65 km au nord-ouest du village de Vanavara. Le souffle de l'explosion sera évalué à plus d'une centaine de fois la bombe d'Hiroshima, dévastant la forêt en dessous et laissant une clairière de 2000 km² parsemé de millions d'arbres couchés par le souffle. L'explosion aura été entendue dans un rayon de 800 km autour de l'épicentre, et dans un rayon de 200 km, des fenêtres d'habitation se seront brisées. Les sismographes de plusieurs stations de Russie et même d'Europe enregistreront les ondes sismiques résultant de cette catastrophe. De nombreux témoignages ont été recueillis par l'administration locale. L'un d'eux, Semyon Semyonov, habitant travaillant au comptoir de Vanavara, déclare « Soudain, au nord, le ciel se fendit en deux et y est apparu un feu gigantesque au-dessus de la forêt, le tout recouvrant le ciel au nord. À ce moment-là, j'ai ressenti une telle chaleur, comme si ma chemise prenait feu. Je voulais enlever ma chemise et la jeter au loin. Mais le ciel a comme éclaté, et j'ai subi un coup puissant qui m'a éjecté du poche à 3 mètres. Après ce choc, il y a eu des détonations semblables à des coups de feu, et des pierres tombées du ciel. La terre tremblait, et quand je me suis jeté à terre, j'ai mis mes mains sur la tête pour me protéger des projectiles. À ce moment, quand le ciel s'est découvert, du nord a déferlé un vent brûlant, comme le souffle d'un canon, qui a dessiné sur le sol des traces évoquant des sentiers. Par la suite, nous avons remarqué que de nombreuses vitres avaient été brisées et dans la grange, le verrou de la serrure avait cédé. » Un autre témoignage sera donné par deux frères d'une tribu autochtone de la région de Tunguska, les Evenki. Ils se trouvaient dans leur tchoum, une habitation semblable à un tipi indien, à 30 km de l'épicentre de la catastrophe. « Nous avions élevé notre tchoum sur la berge du fleuve Avarkita. » Nous nous étions endormis profondément, quand quelque chose nous a poussés. Nous avons entendu un sifflement et nous avons aperçu un vent fort. Tchekaren, mon frère, m'a même crié. Tu entends tous ces oiseaux qui volent dehors? Nous dormions dans le tchoum et nous ne pouvions pas voir ce qui se passait dans la forêt. Soudain, quelqu'un m'a encore poussé, mais si fort que je me suis cogné la tête sur le poteau du tchoum. J'ai failli tomber dans les braises. Nous avons pris peur, mon frère et moi. Et nous sommes agrippés au poteau en criant notre père, notre mère et aux frères. Mais personne ne répondit. Derrière le tchoum, il y avait une sorte de bruit. On pouvait entendre les branches tomber. Tchekaren et moi sommes sortis de nos sacs de couchage et allions sortir du tchoum quand soudain, le tonnerre frappa très fort. C'était le premier coup. La terre a commencé à trembler et à se balancer. Un vent puissant a renversé notre tchoum et je me suis retrouvé écrasé par les poteaux. La tête a découvert, car une partie de la toile s'était envolée. C'est là que j'ai pu voir le terrible spectacle.
La forêt brûlait, et les aiguilles brûlaient à même les branches, même la mousse des arbres brûlait. De la fumée partout autour, les yeux brûlent, il faisait chaud, si chaud qu'on pouvait en être brûlé. Et tout à coup, au-dessus de la colline, le ciel est devenu intensément brillant. Comment te dire, c'est comme si un deuxième soleil était apparu. Les Russes auraient dit qu'un flash serait apparu de façon inattendue. Mes yeux me faisaient mal, et j'ai dû même les fermer. C'était semblable à ce que les Russes appellent la foudre. C'est après un instant que surgit un assourdissant coup de tonnerre, soudain, et ce fut le second choc. En somme, le temps avait été clair cette matinée, pas de nuages. Notre soleil brillait quand un deuxième soleil est apparu. Le temps aura passé, et l'Empire russe aura laissé sa place à l'Union soviétique, avant qu'une expédition scientifique ne soit lancée sous la direction de Leonid Kulik, dont les travaux seront publiés dès 1927. Depuis les premières expéditions, de nombreuses théories ont fini par être exposées. La théorie de Kulik propose l'arrivée d'une gigantesque météorite ferreuse qui se serait désintégrée dans la haute atmosphère terrestre. Cependant, l'absence de corps ferreux menant à la formation d'un cratère, la volatilisation de l'objet amena à se détourner de cette explication. En 1960, on avancera la possibilité de l'explosion thermique du cœur glacé d'une comète. En 1975, on imaginera la possibilité de l'arrivée d'une masse de neige spatiale de très basse densité, qui serait entrée dans l'atmosphère et se serait désagrégée dans un choc thermique. La Paz, en 1948, émettra l'idée selon laquelle il aurait pu s'agir là de l'annihilation d'une météorite composée d'antimatière. Notons toutefois qu'en 1946, Alexandre Kazantsev, chercheur en électromécanique, romancier et ufologue soviétique de la première heure, aura déclaré que l'accident de la Tunguska aura bien pu résulter de l'explosion nucléaire d'un vaisseau extraterrestre, en plein vol. Des équipes étrangères venant d'Italie et même des USA viendront elles aussi enquêter. De nouveaux éléments seront mis en avant, comme la découverte de dépôts sédimentaires correspondant à l'époque dans les lacs environnant l'épicentre. Mais ce faisceau d'éléments n'apportera pas de réponse à la question essentielle du problème. Comment un objet céleste a-t-il pu provoquer de tels dommages et disparaître sans laisser de traces? Quelle est la vraie nature de la catastrophe de la Tunguska? Les expéditions se sont multipliées, la science avance, mais aujourd'hui encore, le mystère reste entier.